Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo bilan melting pot, mais là je vais vous faire le tag mid-year freakout book tag. C'est 15 questions que je vais répondre et je vais commencer maintenant. Donc la première question c'est ton livre préféré jusqu'à date. Et bon, vous allez voir sur certaines questions j'ai comme mis deux réponses parce qu'à un moment donné c'est juste impossible de faire un choix là en tout cas. Mais là, pour la première, c'est une des plus difficiles, mais j'ai réussi à sélectionner un livre. J'y ai été parmi mes coups de cœur. Mais là, sachez que le livre que je vous montre, oui, c'est probablement mon préféré, mais il y en a d'autres qui arrivent derrière. Donc, je vais nommer Elle de Janet DeVoe. Il a été mon premier coup de cœur 2020. La deuxième question, c'est ta suite de série préférée. Et étonnamment, en 6 mois, j'ai pas lu beaucoup de suites. En fait, j'en ai deux, puis tant qu'à faire, ben, je vais vous montrer les deux. Donc, il s'agit de Traquer, de la série L'Entremonde de Maxime Poulain, et La Guerre des Clans, qui est le premier tome du cycle 4, qui est le quatrième apprenti. Là, pour ce qui concerne ma série, ma suite de séries préférées, ben, je dirais pas mal que les deux s'équivalent dans des genres différents. Celui-là, Traqué, notamment la fin, fait chier. Ça termine tellement sur un cliffhanger que t'as juste envie de te procurer le troisième tome qui n'est pas encore sorti. Mais ça a été une bonne lecture. Et en ce qui concerne la guerre des clans, ben là, je commence à avoir une relation amour-haine avec cette série parce que bon, ça fait à chaque fois que je présente un livre de même, je le répète à chaque fois, mais c'est une de mes plus vieilles séries que j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Et on dirait qu'il finit plus d'en sortir des tomes. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont arrêter d'en sortir. Peut-être que je vais mourir à l'âge de 80 ans puis ils vont encore en sortir. C'est incroyable. Mais je suis toujours contente de retrouver les chats des clans. Mais c'est juste qu'à un moment donné, je suis comme « Ah, sais-tu que j'aimerais ça? » Qu'il y ait une fin à un moment donné. La troisième question, c'est une nouveauté qui me fait envie, mais que j'ai pas encore lue. Enfin, j'ai fouillé dans mes nouveautés, dans ma pile à lire. J'en ai sorti deux encore une fois. J'ai La fiancée de Caracas, parce que Caracas, c'est une de mes auteurs préférés dont la plume est vraiment, vraiment beaucoup venu me chercher. Donc j'ai vraiment hâte de tomber dans cet univers-là, malgré que j'en entends des avis mitigés, comme de quoi que l'univers serait peut-être pas assez approfondi, mais je vais m'en faire ma propre opinion. Et ensuite, Scarlett, parce que ben c'est un fantasy, vous savez que j'aime les fantasy. Fait que de Véronique Blanchette, de Le Faux Chardon de chez Luzerne Rousse, j'ai tout dit ça à l'envers, pas grave. Fait que oui, un autre livre que j'ai bien hâte de découvrir parce que je sais pas quand remonte ma dernière fantasy, mais en tout cas, j'ai toujours hâte de lire une fantasy. La quatrième question, c'est la sortie qui te fait le plus envie pour le reste de 2020 et pour plusieurs raisons. Je nomme Portalington de Stéphanie Perron, qui est édité chez Luzerne Rousse. Premièrement, c'est un univers steampunk, donc un nouvel univers que je vais découvrir. Ben non, c'est pas vrai. Je le découvre avec Le Feuilleton, qui est l'aube des derniers, qui se trouve à être 50 ans avant Portalington. Donc, je suis déjà en train un peu de découvrir l'univers, mais reste que ça me donne envie de découvrir le premier tome. Stéphanie Perron est aussi une de mes amies. C'est une fille avec qui j'écris les mercredis soirs pour avancer mon propre projet propre projet d'écriture. Bref, j'ai hâte de découvrir ce qu'elle a en tête, son imaginaire. La cinquième question, c'est ta plus grande déception. Là, je pense que si vous n'êtes pas capable de nommer le livre qui m'a déçu récemment, c'est parce que vous n'avez pas assez vu de mes vidéos. C'est ça, c'est Le cœur de Gaël, le tome 1, La vallée des larmes. Et La vallée des larmes portait très bien son nom. Au contraire, ensuite, la plus grande surprise, et je nomme Vapeur et ténèbres de Pierre-Olivier Lavoie de chez Luzerne Rousse, parce que je m'attendais pas. Ben, en fait, en lisant la quatrième de couverture, on dirait que je m'attendais à une sorte de résurrection de quelqu'un qui était pogné dans un monde avec des dictateurs. On lit « La réalisation de son souhait le plus cher vaut-elle la peine de redevenir le pantin du pouvoir? » Fait on dirait, de ce que je lisais de la quatrième de couverture, je savais pas dans quel genre de monde j'allais tomber et ça disait pas grand-chose non plus. Et au final, on suit un personnage qui est une créature fantastique qui a des pouvoirs, mais étant donné que l'auteur n'a pas nommé sa créature dès le début, je ne savais pas à quoi m'attendre niveau créature des ténèbres, monstre et tout. Fait, j'ai vraiment adoré découvrir la mission du personnage principal, ses pouvoirs, je me répète, le côté ténébreux, puis
t'as un aspect aussi un peu théologie. En tout cas, il nous amène à une direction que je m'y attendais pas. Puis c'est, pour un one-shot, c'est quand même un livre très plein. Tu t'ennuies pas. En tout cas, moi, j'ai vécu aucune longueur. J'ai failli vomir, par exemple. Mais bon, fait, si vous voulez en connaître plus sur ce livre-là, je vais vous mettre ma vidéo en barre d'infos. C'est assez explicite dans cette vidéo. Je pense que je dis en masse de détails qui pourraient vous donner envie de lire ce roman. Septième question, c'est ton nouvel auteur préféré ou nouvel auteur ou plutôt des auteurs nouveaux pour toi. J'ai décidé d'y aller en ce sens avec des nouveaux auteurs. Et là, je nomme que du québécois. Donc, les nouveaux auteurs que j'ai découverts en 2020, il s'agit de Pierre-Olivier Lavoie, Catherine Ouellette, Sophie Vaillancourt et Marie-Jeanne Chaplin-Corriveau. En plus, c'est toutes mes amies. Ce qui est le fun, c'est que soit j'ai hâte de découvrir d'autres séries, d'autres œuvres de leur part, soit d'autres projets littéraires qui n'ont pas vu encore le jour, ou tout court, la suite de la série que je suis en train de lire. Fait que je les encourage. Huitième question. Ton nouveau fictional crush. Je l'ai-tu laissé en anglais, ce mot-là? En tout cas, je le comprends comme en étant un nouveau book boyfriend. J'ai pas vraiment ça, des book boyfriends. J'ai des personnages masculins qui m'ont beaucoup marqué. Mais, tu sais, comme par exemple Toshan de la série Le Rossignol de Vajalbert et Balter de Sorcha de Maleg qui est dans la trilogie La Châtelaine de Maleg. Mais un nouveau. Je vais ressortir en fait un livre dont le personnage est dedans et ça se trouve à être James de Hell parce que je trouve que Janney l'a vraiment très bien décrit. Il a l'air, c'est pas un jouvenceau de 16 ans, là. Il semble avoir de l'expérience derrière la cravate et je me rends compte que il me faut ça pour apprécier un personnage masculin. Il faut, je pense que je trippe plus sur les adolescents de l'école secondaire qui n'ont pas un petit vécu de vie. Je me rends compte que je préfère les personnages qui ont facilement dans la vingtaine puis qu'ils ont vécu quelque chose. De quoi pour les rendre un petit peu plus badass que de la barre molle. Neuvième question, c'est ton nouveau personnage préféré. J'en nommerai pas juste un. En fait, m'a triché en nommant un groupe. Et c'est sûr dans la quête du Griffon parce que j'ai vraiment trippé l'aspect humain dans ce livre-là. Je les ai tellement trouvés vrais, là. C'est 6 adolescents. Mais l'auteur réussit à venir nous les mettre sur un angle tellement véridique, là. On dirait que j'ai dit une phrase scientifique. J'ai vraiment aimé les personnalités des 6, que ce soit Kérine, Owen, Marie, Adrien, Gadriel et le loup, que je me souviens pas le nom. Fait que je triche en disant, c'est ça, c'est le groupe de la quête du Griffon qui font en sorte que c'est mes nouveaux personnages préférés. 10e question, le livre qui t'a fait pleurer. Bon. Faut savoir que je pleure pas vraiment beaucoup en lisant des livres. Le dernier livre qui m'a fait pleurer, c'est en 2019 quand j'ai lu et terminé la série La Guilde des Magiciens, le troisième tome. Puis là, je vous dirai pas le pourquoi parce que c'est un très très gros spoil. Donc, je vais y aller plutôt en disant le livre qui m'a plus ému. Et je nomme La Maîtresse du Soleil parce que tu incarnes en fait un personnage qui va devenir la maîtresse du roi Louis XIV. Mais le traitement qu'elle reçoit, c'est vraiment juste... J'aurais pas aimé être dans sa peau parce qu'elle est vraiment prise dans une relation d'amour interdit. Elle aime le roi l'aime sincèrement, mais ils peuvent juste pas vivre leur relation au grand jour. À un moment donné, elle va devenir la maîtresse officielle, mais tu sais, c'est un titre à la fois flatteur puis pas très en même temps, là, parce que t'es comme reconnue comme étant la putain d'un noble, du roi, là. Fait que, je sais pas, j'ai beaucoup vécu les hauts et les bas de Louise. Et j'étais si proche du personnage que je pense que je vivais ses émotions, l'injustice aussi qu'elle vit. Et ça, l'injustice, ça vient particulièrement me chercher. Fait que, je vais nommer, c'est ça. La Maîtresse du Soleil, c'est probablement le livre qui m'a plus émue dans les 6 premiers mois de l'année 2020. 11. Un livre qui t'a rendu joyeux. Puis là, j'étais vraiment contente de relire La Châtelaine de Maleg parce que, suite à ma déception de Cœur de Gaël, étant donné que c'est deux romans historiques écossais, on dirait que j'avais peur que ma perception ait changé pour ce livre-là. Et quand je l'ai relu et que j'ai terminé, je me suis rendu compte que non. Puis là, j'étais vraiment contente d'avoir trouvé les personnages, vraiment contente que l'histoire me fait effet
comme si c'était la première fois que je le disais. Fait que ouais, celui-là m'a vraiment rendu heureux et encore plus lorsque j'ai relu Sorcha de Maleg, parce que je pense entre les deux, c'est vraiment le deuxième tome qui est vraiment mon préféré. On change de personnage. Mais là, je me relancerai pas trop là-dedans, mais juste tout ça pour dire que c'est une de mes séries préférées. La deuxième question, c'est livre préféré pour une adaptation cinématographique. Et là, je vais y aller avec ma première lecture 2020 qui se trouvait à être Illuminée, parce que ça se passe dans l'espace et qu'il y a des moments assez forts où est-ce que les protagonistes, ben, la fille qui s'appelle Cady, je crois, si je me trompe pas, en tout cas, elle se ramasse tout seule dans l'espace, puis c'est vraiment angoissant. Je veux dire, je lisais le roman puis j'étais angoissée pour elle parce que comme j'expliquais dans mon avis en vidéo, elle est pas perdue en forêt ou en milieu d'un lac où est-ce qu'elle suffit juste de nager pour, tu sais, retrouver la berge là. Non, elle est dans l'espace, elle flotte, il y a absolument rien auquel elle peut se raccrocher. Si elle est là tout seule, elle va mourir là, tu sais. Fait que ça m'a, c'est ça, ça vient comme me chercher d'une manière angoissante, mais puis je détesterais pas voir ça en film. 13e question, c'est meilleure critique que j'ai faite. Honnêtement, j'ai pas réécouté toutes mes vidéos, là, fait que à place, j'ai décidé d'y aller en termes de vues, parce que j'imagine que s'il y a plus de vues sur une vidéo, c'est parce qu'elle devrait être pas pire. Puis là, ben, je vais vous raconter une anecdote. C'est que quand que j'ai publié la vidéo de Vapeur et Ténèbres, j'ai l'auteur, Pierre-Olivier, qui est venu me voir en privé, m'écrire en privé. Il était vraiment content comme de l'avis que j'avais fait, puis il a décidé de sponsoriser ma vidéo. Puis il a pas lâché le morceau jusqu'à temps qu'elle atteigne 1000 vues. Puis tu sais, à chaque semaine, c'était comme ah, « on est rendu à 912 vues ». Puis là, il était comme « ok, je le relance pour une autre semaine ». J'étais comme « ben voyons donc ». Fait que ça a fait en sorte que j'ai atteint 1086 vues aux dernières nouvelles pour la vidéo « Vapeur et ténèbres ». Mais si je l'exclus, parce qu'on s'entend qu'elle a été sponsorisée, puis que je regarde naturellement quelle autre vidéo a le plus de vues, ça se trouve à être La quête du griffon avec 137 vues. Fait que mettons que c'est elle, ma meilleure critique, avec Vapeur et ténèbres. 14. Le plus beau livre que tu as acheté ou reçu. Il faut que je le ressorte. C'est Branché sur toi. J'avais déjà dit auparavant que sa couverture, c'était une de mes préférées que j'avais dans ma pile à lire. Et c'est encore le cas. La dernière question qui se trouve être la 15, c'est un livre que tu veux absolument lire d'ici la fin de l'année. Et ça se trouve à être Maleficus de Cynthia Carbonneau parce que premièrement, ça va compléter mon défi Luzerne Rousse, soit de lire toutes leurs sorties entre 2017-2019 et de m'en faire mon propre avis parce que dernièrement, j'ai eu connaissance d'avis mitigés, donc j'ai hâte de voir ce qu'il y en est avec ce roman-là, m'en faire ma propre opinion. Sur ce, c'est ce qui complète le tag Mid-Year Freakout Book Tag, qui était la deuxième partie de mon grand bilan. Fait que je vais vous retrouver la fin de semaine prochaine, probablement, avec un avis. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine livresque.